These women have found joy again. Thanks to the multifunctional platform in their village, they now have the time to get involved in income-generating activities such as vegetable gardening. In Koulibaly-Bougou, a village located 390 kilometres from Bamako, it's time to harvest maize and everyone is joining in. The women of this village no longer wonder how they'll be able to process the grain since the multifunctional platform was installed. The platform has considerably changed the status of women in this village. Avant la plateforme, les efforts physiques que nous faisions nous épuisaient énormément. Et toutes les ressources du foyer passaient dans des soins médicaux. L'arrivée de la machine a complètement allégé les femmes. Et elles peuvent maintenant se consacrer à d'autres activités génératrices de revenus qui permettent de prendre en charge les frais de santé de toute la famille et même d'autres besoins. To reach the target of 5,000 platforms, $111 million will be allocated. Over the period 2008 to 2015, the Malian state contributed 2 billion CFA francs. Il y a eu un accompagnement de certains pays comme la Norvège, la Suisse et le Danemark, ainsi que des institutions comme le PNUD qui ont permis l'avancée de cette expérience avec près de 8 millions de dollars d'investissement. Une seconde phase a été mise en place à partir de 2008 avec la fondation Bill et Melinda Gates et le PNUD pour près de 6 millions. Et les résultats sont probants. Nous avons eu à peu près 20 000 emplois temporaires qui ont été créés et près de 5 000 emplois permanents qui ont été créés grâce à ces plateformes multifonctionnelles. S'il y a 5 000 villages, il y aura autant d'opportunités pour les populations qui y vivent d'avoir accès à, cette fois-ci à des énergies nouvelles et à des énergies renouvelables. Based on the major achievements seen in the pilot and development phases of the MFP, Mali aims to install platforms in half of the 12,000 villages in the country. Nous avons déjà élaboré un programme avec un plan d'action pour jusqu'en 2018 et ce programme est déjà dans le circuit d'adoption au niveau du gouvernement. Une fois que cela va être adopté, maintenant, c'est avec les partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des financements. During this expansion phase, emphasis will be placed on the new and renewable energies in line with the objectives of the Sea for All initiative, Sustainable Energy for All. Nous sommes à peu près dans les 1500 villages touchés dans tout le Mali et dans toutes les régions. Et aussi former à peu près 30 000 femmes qui s'occupent de la gestion de la plateforme multifonctionnelle. Nous avons varié les sources d'énergie. Aujourd'hui, nous avons des équipements qui marchent au biogaz. Nous avons aussi l'huile de purguère, qu'on appelle l'huile de diatropha, qui est utilisée comme source d'énergie dans les moteurs. Nous avons aujourd'hui une nouvelle innovation qui est l'utilisation du solaire, de combiner non seulement les plateformes multifonctionnelles, mais l'électrification rurale avec le solaire. The installation of 5,000 new MFPs should not only appropriately address the issue of access to energy in rural and peri-urban areas, but it will also contribute decisively in the fight against poverty.